Bonjour chers amis, bonjour Roni. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui c'est la paracha Tachodesh. C'est la paracha qu'on lit le jour de Rosh Chodesh Nissan, le mois de la libération, et elle nous est due à Yechezkel. Et à la différence des prophètes qui récriminaient constamment contre le comportement du peuple, là Yechezkel va nous montrer une vision véritablement paradisiaque du troisième temple et du fonctionnement du troisième temple. Et le personnage majeur dans ce troisième temple qu'il a entrevu, Yechezkel, c'est le prince. Donc le prince, c'est le chef du peuple. C'est un personnage qui appartient à la classe politique. Oui, un dirigeant politique. Mais comme j'ai envie de te décevoir un peu, je vais remettre le contexte en place. Parce que j'ai, dans ta présentation idyllique, il y a une réalité à auquel fait face Yechezkel. Et s'il en vient à parler de cet idéal, c'est parce que la situation est difficile. Je rappelle, Yechezkel est déporté à Babylone avec l'élite judéenne. À la même époque, on l'a déjà dit, Jérémie prophétise en Judée sous le règne de Tzidkiyahou, Tzédécias. À Babylone, en parallèle, on va mettre la caméra à Babylone, si tu veux bien, et la caméra nous montre les rassemblements des Juifs, parce que Judéen, Judée, ça, c'est Yehuda, Yehudi, c'est-à-dire, donc les Juifs sont à Babylone, cette élite, et elle vient voir Yechezkel et lui dit, Yechezkel, nous n'acceptons pas d'avoir ainsi été mis à la porte de notre État. On va retourner et se rebeller contre Nabucodonosor et retourner chez nous. Yechezkel leur dit, n'en faites rien. Ceci est la décision de Dieu face à vos inconduites et vos comportements immoraux. Deuxième équipe applique et lui dit, dites non Yechezkel, moi je pense que si on ne peut pas retourner, comme tu as dit à nos camarades, on va construire le temple ici à Babylone. Il lui dit, n'en faites rien, le temple est pour Jérusalem. Vous êtes ici parce que votre inconduite et votre immoralité vous y ont amené. Le troisième groupe vient le voir et lui dit, dites donc, Rézi, si on ne peut pas construire le temple et on ne peut pas retourner à la maison, adorons le bois et la pierre et disparaissons. Voilà quoi se mesure Yechezkel. Tu vois la perspective maintenant? Alors oui. Yechezkel va parler du temple. Oui, alors pourquoi il y a tout un scénario dans lequel le rôle du prince est défini. Et alors ce qui est étonnant, c'est que le prince qui appartient à la classe politique, là on lui fait jouer un rôle carrément religieux. Oui, un rôle cultuel. Parce que le rôle ici du prince se veut être un rôle représentatif. Faire valoir que le prince représente le peuple. Une espèce de représentativité pas tellement démocratique, mais il représente le peuple quand même. Et il représente le peuple, Yechezkel, dans ce qu'il explique après ces fameux chapitrages des trois groupes, c'est de leur donner l'espoir. Il y aura un temple. Nous reviendrons à Jérusalem. Et puis Jérémie le promet, 70 ans, nous reviendrons. Donc Yechezkel, sans savoir ce que dit foncièrement Jérémie à Jérusalem, promet ce temple. Mais il ne peut pas leur promettre simplement, « Ah, vous savez, vous aurez un temple. » Non, il va décrire ce temple dans ses moindres détails. Je parle au niveau de l'édifice, de l'architecture. Mais qui plus est, il va rajouter le mouvement qui se déroule à l'intérieur de ce temple. C'est-à-dire, ce n'est pas simplement un édifice, mais c'est aussi le lieu où vous allez devoir jouer un rôle, le vôtre. Et le prince est votre représentant politique. Mais alors là, on a véritablement le sentiment qu'Akadosh Baruch Hu, il tient le prince en laisse.
Le premier jour, tu feras ci. Le septième jour, tu feras cela. Le quatorzième jour du premier mois, eh bien, tu apporteras ici. Donc, quelque part, il y a une volonté manifestée par Yéhézkel, une volonté d'enfermer la liberté du prince, du personnel politique, dans une obligation cultuelle stricte. Mais oui. De la même manière, Michael, que le roi n'est pas simplement le symbole politique, économique, oui. social. Il n'est roi d'Israël comme lui est le prince d'Israël. D'ailleurs, certains nous diront que le prince est Ouin, O-I-N-T, comme le roi, oui. comme le Cohen. C'est-à-dire que sa représentativité ne relève pas simplement de la physique de la nature ou de la nature physique de l'événement humain. Mais ça veut dire que Dieu lui impose ici à entendre et comprendre que si son rôle est naturellement immanent, il n'en est pas moins, il n'en relève pas moins de la métaphysique, c'est-à-dire de l'entendement, de la compréhension, de l'appréhension, de l'esprit, de la nature de l'âme, de la rencontre spirituelle, de la rencontre de l'âme avec cette réalité, afin de pouvoir encore et toujours concrétiser le projet pour lequel eh bien, cela se fait, ce pourquoi nous revenons. Et alors, il y a aussi cette dimension que même l'édifice architectural en lui-même, il n'est pas ouvert à tout venant. Je veux dire, on lit là, ici, dans Passouk 46, verset 1, « Ainsi parle l'Éternel Dieu, la porte du parvis intérieur qui donne vers l'est restera fermée les 6 jours ouvrables. Elle sera ouverte le Shabbat. Elle sera ouverte également les jours du nouveau mois. » Donc ici, il y a pour qui ? Pour le prince. Pour le prince. Ouais. Mais également, ça veut dire la Shrina, la présence de Dieu, s'invite en même temps que le prince. Ça veut dire le non, temple. La Shrina réside, oui. d'a priori. Elle réside. Oui. La venue du prince par cette porte particulière, par l'agissement des Kohanim qui vont venir aider le prince à sacrifier ce qu'il doit sacrifier, vient nous montrer la singularité du roi, de sa fonction et de son action, oui. bien entendu. Et avec qui se retrouve-t-il ? Le peuple n'est pas là. Le peuple, au moment de Shabbat et de la Néoménie, le début du mois, eh bien, le prince est face à qui ? Nous avons le pouvoir politique face au pouvoir sacerdotal. Oui. Et c'est ensemble, puisque le sacerdotal va venir prêter main au pouvoir politique, c'est ensemble qu'ils vont agir et réaliser. Qui est témoin de cela ? Le peuple, qui à l'extérieur, parce qu'il ne rentre pas à ce moment-là, le peuple à l'extérieur est témoin de l'entrée du prince, qui les représente et qui donc agit de cette manière parce que prince responsable. Oui, c'est pourquoi il a écrit, d'ailleurs, c'est que la population du pays viendra elle aussi se prosterner devant l'Éternel à l'entrée de cette porte-ci. Donc le peuple ne rentre pas. Mais il rentre à un autre moment. Oui. Il rentre à un autre moment, il rentre au moment des fêtes. Oui. Donc il y a une nette volonté de solenniser l'entrée du prince dans le temple. Bien sûr. Oui. Et à mon avis, Michael, tu sais quoi ? J'ai la nette impression, enfin c'est mon ressenti personnel, que cette présentation du passage où seul le sacerdoce et le politique se rencontrent oui. leur donne une dimension si particulière, si singulière, que lorsque nous arrivons aux fêtes, et que là le prince ne sera pas seul face au Kohanim, mais au sein du peuple, face au Kohanim, cela donnera d'autant plus de poids à ce que le prince représente comme responsabilité collective lorsqu'au milieu du peuple, il rentrera, vous savez, il rentrait par l'est, il sortait par l'ouest, ceux qui rentraient par l'ouest sortaient par l'est, etc. C'est-à-dire, on sortait à l'opposé. D'ailleurs, on a gardé un minag un peu, quand on monte à la Torah, on finit de l'autre côté, pas oui, par le côté duquel nous sommes arrivés. Oui. Et si tu veux, le fait que dans cette deuxième phase, le prince
soit le pouvoir politique soit présent au sein du peuple, c'est face au pouvoir sacerdotal, c'est-à-dire face au pouvoir spirituel, c'est-à-dire le message est clair. Nous avons en commun l'adhésion à un même projet spirituel. Ce projet spirituel, c'est pas simplement de lever les bras et d'incanter l'Éternel. C'est de réaliser le projet spirituel dans l'immanence de notre quotidien, bien d'ailleurs, entendu. On le voit dans le verset 10, puisque c'est marqué « en ces occasions », c'est-à-dire sous-entendu les fêtes de pèlerinage, « le prince se comportera comme le peuple. Voilà. Il entrera avec le peuple, là où celui-ci entrera, et ressortira là où celui-ci sortira. » Absolument. Donc, à l'origine, son rôle est magnifié, et après, on lui dit finalement... Dans ce moment solennel, il n'y a pas de cortège officiel. Oui. Il n'y a pas de parole prise depuis le palais de l'Élysée ou un autre palais. Il y a une volonté de vouloir faire valoir que le prince est quoi ? L'un parmi tous. Oui. L'un parmi tous. Et j'imagine, surtout dans le contexte politique, économique et social où l'Occident se situe aujourd'hui, ce que cela peut vouloir dire, que le pouvoir, au moment de cette rencontre solennelle d'un idéal commun à tous, eh bien, à ce moment-là, il n'y a pas, tu entends, Michael, de tribune officielle. Il y a la tribune du peuple, et dans la tribune du peuple, que trouve-t-on ? Le prince. Le prince, oui. Et alors, il y a une dimension sociale dans le dernier verset de cette Haftarat HaKodesh. Dans le verset 18, Ereskel nous dit « Le prince ne devra pas s'approprier une part du patrimoine du peuple et le dépouiller ainsi de sa propriété. Oh là là. Il ne transmettra pas par héritage à ses enfants que ses seules possessions personnelles, afin que dans mon peuple, personne ne se trouve, de par son fait, dépossédé de sa propriété. » C'est extraordinaire. Quand on confronte ça à la réalité politico-sociale actuelle, c'est-à-dire qu'il y a ici l'expression pleine et entière, l'expression manifeste d'un refus des agissements dévoyés de tous les pouvoirs oligarchiques, autocratiques, aristocratiques, afin de ne pas léser les masses laborieuses, les masses travailleuses, les masses souffrantes, c'est-à-dire d'éviter lorsque vous êtes au pouvoir. Et je vous l'ai fait entendre lorsque, à la moment des solennités, vous étiez l'un parmi tous, de sentir, de respirer la douleur, la souffrance, la précarité des uns ou des autres, et apprendre ensemble à éviter les embûches de la souffrance, de la précarité et de la paupérisation de votre propre société, de laquelle vous faites entièrement partie. Donc là, il y a toute une critique des conséquences tragiques de l'ultralibéralisme dont nous voyons les effets. Il faudra que nous en parlions dans une prochaine émission. Voilà, voilà. Merci, Ronnie. Merci à toi. À bientôt, chers amis. Shalom, shalom. Shalom, shalom.